Les invités et en mon propre nom, je lui exprime toute notre gratitude d'avoir voulu nous partager sa joie de rendre grâce par la prière. Dès maintenant, nous souhaitons plein succès à cette belle rencontre. Nous venons d'entendre un discours émouvant de Monsieur l'Honorable, le secrétaire général du CNDD-FTD. Puisse-t-il devenir un testament? Puisse-t-il être pour tous les présents et même ceux qui ne sont pas ici, en stimulant fort pour que notre pays marche vers la paix? Vous vous réunissez au titre de personnes qui sont responsables de la chose publique du Burundi. Nous sommes heureux de vous féliciter pour cela et de vous encourager d'aller de l'avant afin de mener à bien la mission qui vous est confiée. Il nous est par ailleurs agréable de vous épauler dans la recherche de la paix et de la coexistence citoyenne, comme l'Église catholique de laquelle je viens, et je vais l'espérer, de toutes les confessions religieuses ici présentes, que nous puissions continuer de former à la non-violence et au bon comportement entre ceux qui partagent la même nation. Nous voulons persévérer dans cet effort et espérons que la bonne volonté de tous puisse effectivement aboutir au mieux-être de tous. Comme vous vous réunissez pour rendre grâce, il convient que vous pensiez au chemin le meilleur pour continuer à servir ce pays. J'ai choisi ce mot « servir » pour vous dire et vous supplier que vous êtes là pour servir. Je suis heureux d'avoir entendu ces paroles tout à l'heure dans le discours du secrétaire général du parti. Dans l'humilité, dans la compétence que requiert chaque initiative, dans la volonté d'aimer jusqu'au fond en permettant que chaque citoyen perçoivent en vous des frères et des sœurs qui l'attendent pour son bien. Il est indispensable de mettre la personne humaine et son bien au centre de toute action politique. Le citoyen qui confie à l'acteur politique la mission d'organiser la vie commune par le biais de l'élection devient en même temps le but de chaque décision qui se prend à son niveau. Il est donc incontournable que nous puissions veiller à cet horizon, quelle que soit la manière de gouverner. Quand le citoyen devient l'unique motivation de l'action politique, celui qui gouverne a alors toute la liberté d'avancer vers les moyens qui procurent à une nation un développement intégral qui n'accepte personne. Le gouvernant devient sûr de son action et s'y adonne avec générosité et vigueur. Il travaille avec beaucoup d'assurance parce qu'il sait d'être fidèle à sa mission et à sa place réelle. La centralité de la personne humaine dans l'action du gouvernant fait disparaître tout soupçon et toute peur
et de la part de celui qui est au timon du navire, et de la part des citoyens qui se sont satisfaits et engagés dans la solidarité effective avec tout, avec les autres. Cette parole m'a été donnée comme représentant des invités à cette belle rencontre. Je me permets d'insister que l'enthousiasme que nous sentons au début de cette activité, nous l'avons remarqué tout à l'heure, cet enthousiasme, qu'il puisse non seulement se retrouver à la fin de cette rencontre, mais qu'il se pérennise dans ce pays où le bien-être de tous est possible si nous nous y engageons à bon escient. Le Burundi peut améliorer ses conditions de vie dans une décennie à peine si tous ceux qui y collaborent s'y mettent dans la vérité et dans la concorde. L'hésitation actuelle de la solidarité internationale peut très vite tomber et disparaître et faire place à une généreuse présence coopérante dans cette vigne que Dieu aime tant. Il faut certainement du courage de la part des organisateurs de cette rencontre. Et ici, je parle de vous tous, les membres du parti CNDD-FDD. Et même, j'y ajoute, les personnes de bonne volonté qui vous côtoient et qui voient le bien que vous pouvez faire. Il faut une grande volonté de vouloir servir à tout prix, au-delà des attentes possibles que chaque acteur politique peut préconiser. Il faut que citoyens et gouvernants accélèrent leurs ailes pour harmoniser les vues des uns et des autres, afin de parvenir au bien commun qui galvanise alors tous les efforts pressentis. Et pendant que vous remerciez le Seigneur pour le bien que vous avez déjà atteint, pensez à lui demander de guérir toutes les souffrances que ressentent les citoyens qui nous entourent maintenant et se mettre également dans la même attitude de supplication pour que se vérifie pour notre pays le désir de paix, de justice, de développement pour chaque foyer, pour chaque famille. Je vous remercie.